monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce, à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais, sans exclusive. Je crois que la démocratie est un processus qui se construit au jour le jour. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui connaît des hauts et des bas. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait au Burundi accepter un recul sur certains principes, mais pour mieux sauter demain et surtout pour éviter le génocide que tout le monde nous a annoncé, mais que où personne n'a rien fait pour l'empêcher. Le conflit ethnique au Burundi continue. Je ne me fais pas d'illusion qu'il va terminer demain. Ce sera un long, long programme pour résoudre. Mais je n'ai jamais cru que ce conflit sera résolu par l'intervention étrangère. Je voudrais, dans les mots les plus clairs, vous dire ma position. Moi, j'ai fait le tour du monde pour expliquer à qui veut l'entendre que l'intervention étrangère au Burundi ne peut être en aucun cas une solution. For we and what I ask everybody here, everybody's feel right. It feel like now is coming on peace because it's 3 years for war. It's too much. Now I think it's the time for peace in our country. And what do you think of? Le monsieur qui a pris le pouvoir pour aujourd'hui, c'est un type qui a l'expérience et qui a géré ce pays. Et c'est lui qui l'a donné aux assaillants. Et il a récupéré ce qu'il avait donné. Alors, on attend qu'il remette ça sur les rails.